Bonjour, bienvenue sur cette vidéo traitant de l'intergénérationnel. Les formations paramédicales initiales actuelles accueillent de nombreuses générations. Anciens lycéens, ex-étudiants en passes, formations professionnelles, anciens professionnels hors secteur de santé en réorientation, etc. Elles sont majoritairement remplies de générations que l'on nomme Y et Z. Je vous propose d'entamer une réflexion avant mon intervention sur ce sujet grâce à cette capsule vidéo. Tout d'abord, je vous demande de regarder deux vidéos que j'ai sélectionnées sur le site YouTube, puis dans un second temps de répondre à deux questions. La première vidéo décrit la génération Y. Cette vidéo est issue de la société Adesia. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000 Eh bien, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y Y pour Y. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander Hein mais pourquoi En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement à DSL 56K, une heure par mois. Quoi Une heure par mois Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris que l'icône c'était un Labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI-89, et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mon mini-disc. Ou, ou euh, le Discman. Euh, dans... Walkman en terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en pire tout pire. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai dix fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est mille fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, euh. je fais des smileys aussi. La seconde vidéo parle de la génération Z. Elle est issue d'une émission de radio des souris et des hommes. RCF Des souris et des hommes Jean Pouli. Et Jean Pouli fait sa rentrée. Bonjour Jean Pouli. Et bonjour Lucie. Donc pas de cartable, vous c'est toujours tout numérique. Hein. C Pour l'instant oui. C'est des souris et des hommes. C'est donc chaque vendredi. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'une toute nouvelle génération qui fait son apparition. C'est la génération Z. Vous nous devez des explications. Bah oui, je vous avais déjà parlé de la génération Y. Ces enfants nés au début des années 80 et jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui ont découvert forcément Internet très jeune et ont sans doute marqué une rupture générationnelle par rapport à ce que je vais appeler le monde ancien, c'est-à-dire sans Internet. Alors ils étaient un peu jugés par leurs aînés comme impatients, inventifs, interconnectés évidemment individualiste. Voilà, les enfants de cette génération Y euh, sont euh, désormais largement insérés dans le marché du travail et en fait ils laissent la place un petit peu du trublion à cette génération Z, celle qui est née dans les années 90 et donc qui est véritablement native en fait du numérique, enfin d'internet puisque c'est arrivé à cette époque-là. En fait c'est la dernière génération qui est nous, 20e siècle, D'où peut-être cette lettre Z, qui vit ses 20 ans au début du 21e dans un monde donc hyper connecté et numérique. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette génération Est-ce qu'elle est, qu est si différente de, de, de la génération Y alors c'est un prolongement en fait, hein. selon les, les observateurs, euh, cette génération ressemble à cette petite poussette, là, le, le, le personnage fictif, hein, la poussette comme les pouces qui, qui, qui sont toujours sur un, un écran, hein, dans, dans le personnage de, de, de Michel Serres dans son dernier ouvrage. Donc des êtres humains dont les technologies de l'information et de la communication sont devenues de véritables extension cérébrale et physique oui, carrément qui permettent de vivre euh, finalement dans différents espaces temporels et physiques en même temps. Alors les enfants de cette génération sont les premiers à n'avoir pas connu autre chose qu'un monde hyper numérique et hyper connecté et euh, ne peuvent donc se référer à une vie sans connexion. Alors on parle aussi de génération C pour euh, communication, connexion, collaboration, créativité, en fait des caractéristiques directement issues des technologies numériques. Alors en revanche, s'ils sont très habiles avec les outils numériques, ces aides, là comme on les appelle, souffrent d'un manque de formation notoire aux bons usages des outils qu'ils utilisent, car manipuler beaucoup d'informations, souvent trop d'ailleurs, ne veut pas dire forcément augmenter ses connaissances, et c'est souvent là que le bas blesse, parce que cette génération qui a grandi avec le numérique, euh, c'est pas forcément le cas de ses tuteurs, hein, que ce soit ses parents ou même les enseignants, qui sont largement dépassés par les enjeux pédagogiques du numérique, alors de fait, cette génération est Première à apprendre quelque chose à ses aînés et à se débrouiller un peu toute seule avec l'usage des outils dont elle a hérité. Et si ces différents tuteurs sont dépassés, vous l'avez dit, par cette révolution numérique, comment cette génération Z se forme au monde dans lequel elle va devoir vivre en fait Alors ce qui est frappant, c'est qu'elle est très autonome en fait. Elle a euh, cette autonomie que l'utilisation quotidienne des outils numériques vous donne. Sur internet, et là j'ouvre des guillemets, hein. on peut tout apprendre et tout savoir. Ça veut dire que par exemple, je cherche quelque chose, et ben, je vais poser une question dans un forum, je vais regarder un tutoriel sur YouTube, je vais m'inscrire à un MOOC, hein, c'est cours en ligne massivement suivi. Voilà, on cherche, on creuse, on compare, et puis on trouve. Voilà, c'est une journée, une, une génération en fait, qui est tournée de façon assez précoce vers la création d'entreprise, ce qui, surtout en France, est assez surprenant. En fait, nombre d'entre eux s'ennuient fermement à l'école. Certains même aux États-Unis ont même créé leur propre collège en ligne tellement ils s'embêtaient. De fait, certains n'hésitent pas à créer leur activité très tôt, comme Gavi Tavinson, c'est une jeune Slovène qui est devenue un petit peu une icône de cette génération, qui a créé son premier site web, tenez-vous bien, à 11 ans, hein, sur la mode, et qui emploie aujourd'hui 80 personnes à seulement 17 ans. Alors certes, mais tout le monde ne crée pas son entreprise. Comment la majorité de cette génération vit ou va vivre cette relation au monde du travail ou avec les entreprises c'est effectivement une question assez problématique qui angoisse tous les managers et les recruteurs parce que euh, les aides sont avant tout à la recherche du plaisir, d'une vie à court terme et ne se projettent pas du tout dans une carrière. Alors vous allez me dire, c'est assez classique pour des jeunes, mais pour les aides, ce n'est pas seulement une crise d'ado, c'est dans leur gène. Par exemple, ils ont beaucoup moins d'intérêt pour les diplômes, car de toute façon, on leur a toujours dit qu'il n'y aurait pas de travail. Pour eux, la certification de compétences et la reconnaissance par des pairs sur le réseau vaut beaucoup plus que le titre d'une école. D'où ce succès des cours en ligne et d'un tropisme marqué pour l'entrepreneuriat. En fait, cette génération veut absolument exister, se réaliser, réussir à tout prix dans un monde un peu désespérant, il est vrai. Et l'entreprise traditionnelle, surtout française, je me répète, ne représente pas du tout à leurs yeux un cadre où ils pourraient réaliser leurs rêves. Les aides ne croient pas aux valeurs de l'entreprise, en tout cas les grandes entreprises, encore moins l'administration. Et ils sont même cyniques avec elles. Ils sont pas du tout fidèles d'ailleurs. Ils alternent constamment d'une entreprise à l'autre. Certains même se construisent une vie hybride avec différents métiers et statuts en même temps. C'est ce qu'on appelle les slashers, un peu comme la touche euh, slash du clavier. clavier ouais. hein, voilà, donc ils sont euh, salariés d'une entreprise slash créateurs d'une autre slash président d'une association slash blogueur. Bref, les aides sont un petit peu comme euh, leurs outils. Ils sont connectés, rapides et multitâches. Et ce qu'on peut dire que cette génération est la première génération digitale. En quelque sorte, oui, en tout cas, c'est une génération qui articule sans différence et apparemment sans problème une vie réelle et une vie digitale. C'est sans doute une des caractéristiques majeures de cette génération, avoir besoin des deux vies en même temps, pouvoir jongler avec, passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, essayez de couper le Wi-Fi à un adolescent et vous comprendrez très vite ce que veut dire pour eux avoir besoin de ces deux vies. Le digital est vraiment une seconde peau, une seconde nature, c'est en, en réalité assez difficile pour nous de vraiment la comprendre. Mais c'est pas un peu risqué de, de vivre ces deux vies à la fois Alors bien sûr, on pense à tous les excès possibles, les générations d'avant alertent régulièrement sur toutes les dérives de cette double vie numérique, dépendance, burn-out, solitude, harcèlement sur les réseaux sociaux, schizophrénie, abrutissement, j'en passe. En fait, leurs aînés ont sans doute peur d'une génération qui serait en quelque sorte désincarnée. En dehors du monde, préférant le confort de la relation virtuelle, mettant les êtres humains à distance, se protégeant de la relation physique où l'être entier est engagé. Ce qui est assez paradoxal pour une génération qui n'hésite pas à médiatiser ses mises à nu physiques avec la mode des sextos, hein, des espèces de textos sexuels ou encore les, les selfies after sex qui circulent sans pudeur dans les réseaux sociaux et sans choquer grand monde. En fait, c'est la désincarnation du réel est bien sûr une dérive possible. Mais ce n'est pas du tout la réalité quotidienne de cette génération qui aime, comme ses aînés profiter de la vie réelle, comme ils disent, in real life. Et si on se projette un peu, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette génération Z alors moi je pense qu'il est possible que cette génération hyperconnectée veuille à un moment donné faire la part des choses et notamment s'affranchir des différents euh, fils à la patte numérique comme je les appelle, que cette société de l'information leur impose. Certains d'ailleurs ont déjà pris conscience des alignations et des risques et des pièges de cette vie hyperconnectée. Beaucoup d'ailleurs commencent à laisser tomber Facebook euh, et cherchent à goûter en fait à autre chose. Euh, C'est sans doute cette génération qui, avec le recul sans doute dans quelques années, permettra d'inventer une vie numérique équilibrée après les excès euh, d'enthousiasme, des débuts où tout paraît possible, où euh, tout est toujours nouveau et plein de promesses. À suivre donc pour découvrir peut-être ce qu'on appellera la génération A, née au début du XXIe siècle, donc celle de mes enfants. Nous en reparlerons, j'en suis sûr. C'est sans fin Y Z et peut-être bientôt A. On en reparlera donc et on vous réécoute pour sur cette pour cette chronique sur la génération Z sur internet rcf.fr. Merci Jean et à la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr compléter ces vidéos dont certaines parties sont critiquables par d'autres ressources. Comme convenu, après avoir regardé ces deux vidéos, je vous propose de répondre à deux questions. La première, quel constat pédagogique pouvez-vous tirer de la présentation de ces différentes générations dans le monde de la formation Ensuite, faut-il, comme le font de nombreux auteurs, parler aussi catégoriquement de génération Y ou bien Z Je vous souhaite bon courage pour ce travail.